Je m'appelle Marguerite Monod, je suis née dans la Nièvre en 1903. Mon père donne des cours de musique et est titulaire de l'orgue du village où ma mère est institutrice. Je commence le piano très jeune et la presse vante mes mérites dès l'adolescence. J'attire même l'attention du compositeur Camille Saint-Saëns. Je rentre à 16 ans au Conservatoire de Paris et suis assidûment les cours d'Alfred Cortot et de Nadia Boulanger. Mon amour pour le piano m'amène à la composition lorsque je découvre les programmes de chansons françaises qui passent à la TSF. À 28 ans, je signe ma première chanson, ce qui me permet de commencer à me faire un nom dans le milieu des auteurs et compositeurs du genre. Nombre de mes chansons connaissent un succès international, se faisant remarquer jusqu'aux États-Unis, comme par exemple ma comédie musicale Irma la Douce. En 1949, un an avant mon mariage avec le chanteur Paul Perry, je compose la musique de l'hymne à l'amour sur des paroles d'Édith Piaf, avec qui je partage une riche collaboration humaine et musicale pendant près de 25 ans. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin.